Eh bien, salut à tous, salut à toutes, c'est GamerRG35, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est sur Call of Duty Infinite Warfare, et je vais vous avouer que le gameplay là, c'est en hardcore, et qu'il date de, il y a très 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 longtemps, il y a peut-être deux mois. Ouais, peut-être, ouais, parce que j'avais même pas encore les... J'étais en train de monter les fusils d'assaut en diamant. Donc voilà, donc c'était juste pour vous faire part de petits trucs en fait. Je vais parler, je sais pas combien de temps. Là, comme vous pouvez voir, là je viens de gagner un camouflage. Vous parler un petit peu et la fin de la vidéo sera soit musique, soit sans rien. On verra bien. Et voilà, donc en ce moment, Call of. M'énerve un peu, j'étais même pas encore prêt à presque, je suis en train de voir ça. M'énerve un peu, voilà, je sais pas, je n'en peux plus de Call of, que ce soit Code 4 ou même Advanced Warfare, Infinite Warfare, voilà. Donc, j'espère juste que le prochain Call of va être bien. Il y a des rumeurs. Pour Code World Art War 2, ça serait excellent, ça serait juste excellent. Donc voilà, en ce moment je ne joue plus trop à Call of. Même Clash Royale, hein, je ferai peut-être un live d'ailleurs ce soir dessus sur mon compte secondaire. Je sais pas, ça dépend de potes à moi, s'ils veulent bien que je filme leur combat, tout ça, tout ça. Voilà, franchement, et même sur ma chaîne, donc j'ai plus trop d'idées de vidéos en fait. Je sais plus trop quoi faire parce que Call of ça m'énerve et tout. J'ai pas trop envie de vous faire de la merde, et voilà. Sur la Genesis, on est tout autant, comment dire, tout autant inactif, puisque. En ce moment, c'est les examens pour à peu près tous les membres de la team et notamment moi. Donc c'est pour ça que je suis un peu plus inactif, mais c'est pas pour autant que j'abandonne ma chaîne YouTube. Mais voilà, je suis de plus en plus fatigué et tout au fur et à mesure. Mais vous inquiétez pas là, dès que mon année là de terme est terminée, franchement après ça va être crème, ça va passer crème. Mais je me consacrerai à fond sur YouTube. Et voilà, là dans la game là, franchement ça campait de ouf. Je m'en souviens à peu près. Je m'en souviens, je crois que je finis avec 17 morts. Et je sais plus combien, donc voilà, je savais pas quel gameplay vous mettre et j'ai retrouvé celui-là. Je fais vas-y, je vais leur mettre cela. Donc oui, je vais parler. La vidéo elle dure 11 minutes 30 en tout. Je sais pas si je vais parler tout le long de la vidéo. Mais ouais, avec. Après, je sais pas si je vais mettre de la musique parce que. Il y a la dernière fois, donc j'avais pris une vidéo copyright, donc voilà. Donc normalement, il y avait rien comme souci ou quelque chose comme ça. Et j'ai reçu un strike de la part de YouTube, donc voilà. J'avais supprimé la vidéo par la suite, mais voilà. Donc maintenant, ça me fait un petit peu flipper de mettre une vidéo parce que si je me fais strike ma chaîne, voilà quoi. Vous connaissez ça, surtout que c'est très très compliqué de comment dire. De démarrer sur YouTube, j'en suis qu'au début. Voilà, après, j'ai fait deux vidéos qui ont fait plus de 1000 vues, une vidéo qui fait à l'heure actuelle 5500 vues et une vidéo qui fait 1400 et des bananes. Donc voilà, les gars, j'essaie de vous proposer du bon gameplay, enfin, pas du bon gameplay parce que voilà, en ce moment, Call of, je suis un peu. Voilà, donc là, après, j'irai peut-être faire du Code 4. Vite fait, j'irai chercher peut-être un ou deux gameplay pour la semaine. Et j'aimerais bien aussi vous faire une game, je suis en train de penser, avec les fusils d'assaut en diamant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Enfin, je vois très rarement des joueurs ayant le camouflage diamant sur les fusils d'assaut. Parce que je comprends que moi j'étais à 1,70 de ratio quand j'ai commencé à monter mes armes. Mais là je suis à 1,60. Voilà, j'ai perdu 0,10 de ratio, donc voilà. Après, moi ça me faisait marrer de monter ça, c'est pour ça que je faisais ça. Mais maintenant, monter les mitraillettes, ça me fait un peu chier, donc voilà.
Et autrement, même la compétition sur Code 4, sur BO3 avec mes potes, on pouvait en faire. Mais là, sur Infinite Warfare, laissez tomber, on a. Les gens, ils ont trop d'avance sur nous, ils ont trop de co. Et Infinite Warfare, ça joue trop sur la co. Tandis que sur BO3, il n'y avait pas. Comment dire? Il n'y avait pas autant de co que ça. Donc voilà, on arrivait à s'en sortir. Avec WeRox, on avait fait des top 2, des top 3. En SN2 2v2, et là maintenant on n'arrive à rien. Regardez, je sais pas, je comprends pas les mecs, ils jouent beaucoup trop leur vie en fait. On a fait un 4v4 SN2 uplink et HP, et voilà, on s'est fait éclater dès le début en fait. Les SND, on s'en était bien sorti, mais le problème, la co, c'était ouf. Les mecs ils te mettaient 3 balles avec. Avec la cabare, toi t'en mettais 4, et nous sur une game finale on avait mis 6 balles à la NV4. Et eux ils te mettaient 3 coups tout le temps, tout le temps. H24 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà. Et moi je. Faudrait que. Non mais. Ouais, en fait, si vous voulez, j'essaye de. De télécharger comment dire. Mon BO3 depuis je ne sais combien de temps. Il ne veut plus. Je sais pas, il ne veut plus s'installer, donc je vous ferai peut-être une vidéo à part de celle-là, parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui pourront m'aider. Je sais pas, donc je ferai peut-être une vidéo à part pour voir si quelques personnes vont pouvoir m'aider. Vous allez, ça comme beaucoup dans cette game, je sais pas si vous avez vu le mec allongé là par terre qui m'avait tué, et on voit bien au niveau de. Voilà, des headshots, je cherchais à faire beaucoup d'headshots parce que notamment ma type 2 était la dernière arme où je devais la monter. Donc là, après, j'irai peut-être vite fait sur Code 4 ou alors faire un petit gameplay avec, par exemple la NV4 en diamant ou je ne sais pas trop quelle arme, parce que j'ai vraiment pas l'envie d'aller sur Infinite Warfare. Pourtant, je suis maître prestige et tout, ça me paraît bien ce qu'ils ont rajouté, tout ça, mais voilà. Et ça m'intéresse pas trop en fait. Je commence à avoir moins du jetpack, mais le problème sur Code 4, genre j'ai essayé d'y jouer, c'était quand? On est mercredi, pardon. Bah, hier soir, j'ai essayé de jouer. Ou avant-hier soir. Non, hier soir, j'ai pas voulu jouer parce que ça m'avait saoulé lundi soir. Donc lundi soir, j'ai commencé. Vas-y, je vais aller faire une petite partie de Code 4. Voilà, je lance de la domination. Je spawn. Je me suis pris une collate headshot par un sniper. J'ai spawné, mais vraiment dans son viseur. C'est ça que je reproche sur Code 4, que j'espère qu'il n'y aura pas sur les prochains Call of Duty. C'est d'avoir des spawns, mais lamentable. Les spawns. Comment dire, les spawns Call of Duty Infinite Warfare sont pas terribles non plus, mais ils sont déjà mieux, quoi. Mais voilà, sur Infinite Warfare, il y a trop spawn back pour moi. Il y a trop de spawn back. Et même en démolition, je sais pas si vous avez fait de la démolition. Le spawn trap, c'était à l'aise. D'ailleurs, il y avait un mec qui avait fait plus de 600 kills en une game. C'était peut-être pas en démolition. Je sais plus c'était en quel mode. Mais vraiment, c'était du spawn trap. Il était en groupe de 6. Tous ses potes prenaient les spawns. Donc voilà, ouais, c'est hyper facile quand on fait ça. Mais c'est pas intéressant pour les ennemis. Et voilà, après, voilà, c'est le record du monde. Voilà. Mais maintenant, j'espère que ça pourrit un peu le jeu en fait. Voilà la communauté Call of, voilà. Et sinon, Clash Royale en ce moment, oui, je vais vous dire, ça me saoule. J'étais à Rennes, on en a parlé même dans une vidéo YouTube, on parle de Clash. Donc, j'étais, si vous voulez, j'étais à Rennes 10. Et là, je suis redescendu à Rennes 9, mais un soir, bah, mardi soir, là, mardi dernier, enfin, mardi hier, moi, je veux dire, et bah, il y avait que, mais que des. Voilà, regardez-moi le mec allongé là. Il n'y avait que des enfoirés, on va dire ça comme ça, pour rester calme. Et ils m'ont fait descendre mes trophées, mais hyper bas. Enfin, hyper bas. J'ai quand même perdu 300 trophées. Donc j'avais fait 14 défaites et 2 victoires hier soir. 14 victoires, 2 défaites. Donc c'est énorme, quoi. Laissez tomber, c'est ouf quand même. Donc voilà, donc ça commence à me saouler un peu, donc je pétais vraiment un câble, voilà. Voilà, donc ça me saoule un petit peu, Call of, Clash, tout ça.
J'arrive un petit peu jouer à FIFA maintenant, mais ça reste en carrière parce qu'en ligne c'est vraiment infâme, les serveurs ils sont tellement pourris. J'ai arrêté. Mon dernier match que j'ai fait en online sur FIFA date de novembre 2016, ouais, de 2016, sachant qu'après je me suis fait voler mon compte. Et du coup il avait vendu tous mes joueurs et tout ça, bon ça je vous l'ai déjà expliqué. Je sais plus si je l'ai fait en vidéo, mais j'ai dû vous l'expliquer rapidement. Donc voilà, sinon bah... Autrement, j'ai d'autres jeux, mais le problème c'est que c'est. Enfin, GTA, je me vois pas faire trop de vidéos là-dessus. Encore des petites vidéos comme ça, ouais, ça pourrait être drôle. Mais sinon, non, je me vois pas trop rester longtemps dessus sur GTA. Et j'essaierai de faire des gameplays tout à l'heure sur Code 4 pour pouvoir vous sortir des vidéos. Parce que être inactif sur YouTube, c'est pas très très bien, on va dire. Donc voilà, moi les gars, je vais vous laisser là-dessus. Je ne pensais pas que j'allais parler pendant 11 minutes. Mais voilà, je l'ai fait, donc voilà. Moi, je vais vous dire à la prochaine. J'essaierai de faire une vidéo là aussi. J'ai trop de choses à faire aujourd'hui. Une petite vidéo de courte sur la Genesis eSports. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour une nouvelle vidéo. Ciao!